ce n'est pas n'importe quel match, c'est une affiche qui ne ressemble à aucune autre. On va vivre ce grand rendez-vous pour quelques secondes. Bienvenue au Groupama Stadium, c'est la nouvelle rivalité qui fascine depuis quelques années l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. Même dans l'architecture, la beauté de la ville, du stade, de la gastronomie, il y a match entre Lyon et Marseille. Mais pour la plage par contre, victoire de l'OM. Mais pour le football, c'est pas sûr. Vous l'avez compris, donc deux villes magnifiques, deux superbes clubs et deux commentateurs ravis de vous accueillir pour ce match. Et la frappe, il s'interpose là le gardien. Avec le ballon. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Amine Harit. Et ce ballon qui leur échappe. Ça, c'est un super élément, évidemment, de cette équipe. Reste à savoir à quoi maintenant on peut s'attendre durant ce match. Sa puissance de frappe, c'est une menace pour toutes les défenses. À tout moment, tu sais que de ses pieds peuvent sortir un missile téléguidé. Pour les gardiens, c'est très compliqué. Samuel Gigot. Gigot. Le ballon pour Balerdi. Veretout. Ça joue sur Kondogbia. Jordan Verret. Eh oui, il y a la place pour un bon centre. Oh, ça peut aller au but. Eh oui, le bon réflexe. Matic. La passe pour Tolisso. Tolisso. Ouais, c'est propre, sans faute. Maxence Cacré en direction d'Alexandre Lacazette. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Kondogbia, le ballon pour Amine Harit. Aubameyang. Kondogbia. Et pourquoi pas ici. Lacazette. Et ça repart pour l'OM. Balerdi. Il y a du soutien là pour attaquer. Et à la réception, c'est Aubameyang. Ballon pour Jordan Veretout. Oh, le geste technique pour surprendre l'adversaire. La grosse occasion pour passer devant. Ça tape la barre, ballon toujours en jeu. Et c'est le but. Ce but est peut-être le plus important. C'est celui pour faire la course en tête. Le secret de la demi-volée, c'est l'équilibre. Tu dois faire un avec la balle. C'est de la danse. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Clinton Mata.
Chalet Tatsar. Avec Maxence Cacré. Chalet Tatsar. Tolisso. Et c'est pour Corentin Tolisso. Corentin Tolisso. Le ballon pour Chalet Tatsar. Avec l'interception et le ballon est récupéré. Klaus. Harit. Balle au pied, Aubameyang. Ah non, finalement le ballon est perdu. Clinton Mata. La passe pour Tolisso. Chalet Tatsar. Maxence Cacré. Et oui, c'est une récupération. Kondogbia. Alors, il y a faute et donc le coup franc à suivre. Centre dans la boîte. Ah, il peut frapper, il a Amin Harit. Et c'est le but, mais attention, oui, le drapeau s'est levé, hors-jeu signalé. Ça doit vraiment se jouer à rien du tout, là. C'est la pomme d'Adam qui dépasse. Jordan Verret. Bien fait, très bonne protection de balle. Oui, sans faute. Verretou. Léo Balerdi. Un ballon perdu par Balerdi. Cacré. Corentin Tolisso. Le ballon pour Chalet Tatsar. Et ballon récupéré sur cette action. Kondogbia. Le ballon pour Amin Harit. Très beau le geste technique. Excellente défense dans la surface. Matic. À la réception, Chalet Tatsar. Corentin Tolisso. Et ça arrive pour Clinton Mata. Avec Maxence Cacré. Alexandre Lacazette. Cacré. En direction d'Alexandre Lacazette. Matic. Et ça arrive pour Clinton Mata. Une possibilité là pour centrer. Cacré avec le ballon. Couverture avec son corps pour conserver le ballon. Et voilà, c'est la mi-temps au Groupama Stadium. Sur cette première mi-temps, Aubameyang, il est convaincant. Et voilà, c'est bien. Son but donne l'avantage à son équipe. Une belle récompense après son excellente première période.
C'est reparti dans cette rencontre avec toujours ce petit but de retard pour Lyon. Ouais, bien fait la différence qui est faite là-dessus. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Lacazette. Le ballon pour Nemanja Matić. Pressing haut sur le terrain. Mbemba. Et ça joue sur Kondogbia. La grosse pression et la récupération. Clinton Mata. Et ça arrive pour Clinton Mata. Matić. Ouais, ça joue sur Matić. Chaleta Tsar. Tolisso. Ouais, ça joue sur Matić. Corentin Tolisso. La balle pour Cacré. Maxence Cacré. Tolisso. La passe pour Tolisso. Lacazette. Hein, les passes s'enchaînent pour construire et aller chercher l'égalisation. Tolisso avec le ballon. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Jonathan Klaus. Allez, ça presse bien. Et ballon dans la profondeur. Le drapeau levé. Position de hors-jeu. Et voilà, c'est un changement donc. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Mbemba. Oui, bonne intervention. Le ballon sort en touche. On le voit, la possession est favorable à l'équipe locale, mais le contrôle, la gestion, ça ne permet pas toujours de faire trembler les filets. Si tu contrôles le ballon sans aucune intensité, c'est très compliqué de créer des occasions. Sauf que la ballon, il fallait le reprendre dans les pieds de l'adversaire. Et l'OL qui reprend ce ballon. Chaleta Tsar. Clinton Mata. Le ballon pour Nemanja Matić. Maxence Cacré. Bah, ça joue sur Matić. Tagliafico. Et ballon intercepté. Kondogbia. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Aubameyang. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Et le bon centre là, peut-être. Impeccable cette intervention. Matić. Et c'est pour Clinton Mata. Le ballon donné dans le dos.
L'action se construit dans le camp adverse. Eh oui, il y a la place pour un bon centre. Voilà, la patience, la construction de l'attaque pour aller chercher l'égalisation. Ah, la frappe pour l'égalisation peut-être. Bonne intervention, le danger s'éloigne. Chaleta Tsar à la réception. Chaleta Tsar. Chaleta Tsar avec Aurel Mangala. Le ballon pour Chaleta Tsar. Ouais, bonne anticipation. Face à face avec le gardien. Ah oui, c'est l'exploit. Voilà le deuxième but à son compteur. Rien de tel pour la confiance, rien de tel pour le moral. Et c'est peut-être pas fini. C'est le coup de Cooper. Tu crois que ça va passer tranquille? Et bim, t'as le but. Là où la force passe, rien ne dépasse. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Cacré. Mangala. Ballon sur Alexandre Lacazette. Attention, l'occasion pour revenir. Oh, la bonne parade. Assez bien défendu ça, le danger maintenant est écarté. Aurel Mangala. Jordan Veretout. La balle est interceptée. Là, il faut centrer là-dessus. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Mais le geste technique très bien exécuté. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Ah, il peut conclure. Et c'est le but. Encore une situation bien négociée. 3 buts d'écart. Quelle performance offensive. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Arrivé là, on s'est dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Et avec ce but, le score est maintenant de 3-0. Ah, là, il protège bien le ballon. Mangala. Oh oui, c'est bien joué. Et le gardien était bien vigilant. Vers le point de pénalty. Mangala. Et ça y est, donc l'arbitre siffle la fin de cette rencontre. L'Olympique Lyonnais. C'est une défaite assez nette. C'est plutôt inhabituel pour une équipe de cette catégorie. Ça ressemble plus à un accident. Aubameyang, voilà un joueur qui a éclaboussé la rencontre de tout son talent. Impressionnant. On l'a senti à la hauteur pendant tout le match. Il n'y a pas eu d'absence ou de baisse de régime. C'est un doublé réalisé avec détermination, rigueur et maestrie.